Allez, bonjour à tous. Explosive Breaker 1992, Kaneko. Pareil, valeur sûre à l'époque. Alors, je vais bourrer de pièces là parce que c'est pas évident. 6 vaisseaux avec des caractéristiques bien différentes les unes des autres et des persos différents. Allez, je vais prendre Jean avec un vaisseau typé Raiden et un tir aussi typé Raiden. Donc, on va jouer en Yoko Tate. Je ne possède pas l'original. Allez, direct une bombe pour mettre voilà, un petit peu plus loin. Les sprites sont assez gros, alors je pense que ça écrase un petit peu le fait que je joue en Yoko Tate et que je ne joue pas en Tate original. Ah la vache, ils ont surgi un tir, je me suis fait avoir comme un bleu. Désolé pour le skill. Allez, les missiles se ressemblent un petit peu au Raiden quand même. Il faut marteler le bouton, là j'ai le doigt en feu. Il n'y a pas d'automatique là. Alors, on peut cumuler les... Ah non, on peut pas les cumuler. Ils sont partis, donc j'ai pris le... J'aurais dû garder l'autre avec les missiles. Il était un peu plus gros que les chercheuses. Je sais pas si c'est plus performant. Allez, je mets une bombe directe. Donc les bombes cancel hein, les ennemis et les boulettes. Le fond de l'écran est relativement joli pour l'époque quand même, faut le dire. Le début des années 90. Ah ça passera pas là, si c'est passé, ouah. J'ai plus de bombes. Ouf. Yes. Le premier boss du début du niveau. Aïe 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 aïe. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un boss rush quand même. Allez, on va réutiliser un niveau. Je vais changer de vaisseau. Je vais prendre le S-Gun, le deuxième. Yes, le Phoenix. Au niveau de la bombe. Il est assez puissant celui-là, il n'a pas les mêmes caractéristiques. On voit qu'il est un peu plus gros en termes de pixels. Petite musique là de fin de stage, yeah. J'adore ce titre là. En n'ayant pas couru quelques minutes. Je pense que celui-ci, je vais me le cocher pour le faire. Là, voilà. Pas évident de parler en même temps qu'on joue évidemment. Donc là, il faut quand même bien bourrer le bouton. Hein. Là franchement je suis limite crampé là. Ah, c'est une petite protection ça ou c'est quoi, je sais pas. Bon je prends. Ah, le M, je préfère le M hein, parce qu'il envoie vraiment des missiles même si c'est pas tête chercheuse. J'ai une patte de chien là, je sais pas si c'est une... Ah une vie, excellent. On peut gagner quelques vies. Voilà, hop là. Au niveau des tirs, il y a ce qu'il faut. Hein, au niveau des tirs, il y en a plusieurs. Les vaisseaux, il y en a plusieurs, donc ça permet d'avoir plusieurs gameplays. Ah, ils sont très hélicoptères, les boss. Alors, on va mettre une bombe par-dessus direct, là. Ah, j'ai pas eu le temps de me décaler. Ah, c'est qu'il y a effectivement deux hélicoptères à déglinguer. En voilà un. Ah non, c'est un sous-boss. Ok. On va aller là. Oh putain, là, c'est un big là. N'hésitez pas à l'essayer en émulation. Hein. Ce titre, il est bon. Hein. Ce titre est bon.
N'hésitez pas à l'essayer. C'est après pour choper une PCB, laisser tomber en ce moment, c'est mort. Allez. Ah, j'ai essayé de passer le boss. Yes, j'ai réussi à l'avoir. Ouh, stage clear. Voilà pour cette petite démonstration. N'hésitez pas à le tester. C'est fun, c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.